toutes et tous, très très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode hors série. Donc j'avais fait le premier sur le multijoueur du jeu Tour de France 2019. Et là, étant donné que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo, vous avez pu le voir. Donc pour ceux qui sont sur le Discord, normalement vous le savez. Pour ceux qui ne le sont peut-être pas, bah, je vous invite à le rejoindre évidemment. Et donc c'est parce que j'ai dû mettre à jour toutes les équipes avec les transferts, c'était très long. Donc s'il y en a qui s'inquiètent, dimanche 26, le retour de la série avec une nouvelle équipe en plus. Donc vous découvrirez un nouvel effectif, donc ça va être sympathique avec le Tour Down Under, dimanche 26, noté sur vos agendas ou je sais pas. Donc du coup, je me suis dit ça pouvait être bien entre temps de faire un petit épisode hors série. Je pense qu'il sortira le mercredi, je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc du coup sur le jeu Red Dead Redemption 2, qui est un jeu que j'adore littéralement, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Comme ça peut-être que je peux vous faire découvrir, je sais que c'est pareil, c'est pas le genre de vidéo qui vont faire des tonnes de vues, mais voilà. Je sais que peut-être si seulement une centaine sont intéressés, bah il y aura qu'une centaine de personnes qui regarderont la vidéo, c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de la faire. Du coup bon, là, bon c'est un peu un spoiler puisque comme vous le voyez je suis avec John Marston. Mais bon, ça fait un an et 3 mois que le jeu est sorti, donc il n'y a plus de spoiler maintenant, c'est fini. Donc voilà, et puis bah du coup, vu que là je suis à toute fin du jeu, hein, ça fait un an que j'ai fini le jeu, il n'y a plus grand chose à faire, mais le truc c'est que sur Red Dead Redemption, il y a toujours des trucs à faire. Hein, des braquages de train, des braquages, je sais pas, des attaques de gang, et, enfin de gang, je sais pas si on peut placer, je sais pas si on peut appeler ça comme des gangs à l'époque, mais voilà, des attaques de bande, voilà plutôt. Il y a vraiment toujours des trucs à faire, contrairement à GTA où je trouve qu'une fois que t'as fini le jeu, ça reste quand même un peu vide au niveau du mode histoire, hein, puisque le jeu en ligne est évidemment très complet, bah contrairement à Red Dead Redemption 2 qui est justement le mode histoire, tu peux faire des trucs à l'infini comme tu veux, alors que le mode en ligne est assez bof. Donc je suis sur la PS4 hein, parce que sinon si j'étais sur PC j'aurais plein de modes et tout, donc ça aurait été cool, mais c'est pas grave, ça reste pas moins cool d'autant plus. Et surtout que là du coup sur PS4 t'as les graphismes au maximum, alors que sur PC ils auraient été un petit peu limités. Donc c'est dommage parce qu'il y a un mode que j'aime bien, c'est le mode neige où on peut rajouter de la neige sur toute la map. Et bon là du coup il y en a pas, c'est pas grave, écoutez je vais tenter de trouver une petite animation. Par exemple un braquage de train ça peut être assez cool. Ce jeu est magnifique, hein. Vraiment ce jeu est magnifique, il y a plein de panoramas, je sais pas, ça se trouve peut-être que je vous mettrai des petits screens que j'ai déjà pris personnellement, parce que il y en a plein, on peut en trouver plein sur internet, mais des screens que j'ai pris moi et qui sont franchement pas mal du tout. Et le jeu est tellement immersif que limite je faisais pendant que il y avait une semaine où j'ai joué l'histoire à fond, voilà j'ai fini l'histoire en une semaine. Parce que je faisais 10 heures, plus de 10 heures par jour sur le jeu, du coup, hein, carrément, quand j'ai eu le jeu, j'étais vraiment un peu comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais comme tout le monde qui s'est passionné dans l'histoire, j'étais subjugué par les décors et tout. Vraiment, c'est un jeu qui est impressionnant, qui est incroyable. Et donc du coup, pendant une semaine, j'ai joué à fond. Et donc, j'en rêvais quasiment la nuit, quoi. C'est un truc de fou à s'imaginer, mais... La nuit je me faisais des petits scénarios, c'est bizarre mais bon voilà. Et donc j'en perds les mots, c'est tellement immersif que... Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Bon, on est à Rod, il est 21h30. Bon, je vais attendre le train. L'objectif, donc le plan les amis, là Rod le train. Donc il fait ça. Là vous voyez la gare de train. Donc du coup la rame de train c'est ici. Là il arrive à Saint-Denis qui est la grosse ville du jeu. Et là, il fait tout ça. Il n'y a aucune ville, il n'y a personne. Jusqu'à Annesburg. Et donc je pense que c'est pendant ce temps-là qu'il faut prendre. Qu'il faut faire le braquage. Donc j'ai une petite prime de 30$ hein, dans New Hanover. Bon, c'est pas trop grave. 30$ c'est vraiment rien. 30$ c'est vraiment rien. Sachant que ça peut monter jusqu'à 1500. Il faut se fixer qu'une baguette de pain à l'époque c'était 0,04$. Donc au final, quand tu te rends compte, 30$, ça reste une somme quand même considérable. Et par rapport au maximum du jeu, c'est pas grand-chose. En fait, la meilleure zone, si vous voulez faire un braquage, c'est par ici, de toute façon. La montagne, il n'y a personne. Les policiers prennent beaucoup de temps à arriver. Mais voilà, on aime le risque. On aime le risque, donc on va tenter un braquage par ici. Donc bah voilà, écoutez, on se reprend dès que j'arrive à avoir un train. Je pourrais très bien dormir et puis revenir. Je pourrais très bien d'ailleurs prendre un ticket au train, mais... En fait j'aime tellement me projeter de façon réaliste dans le jeu que des fois j'attends réellement le train pour le prendre. Enfin bon, voilà c'est bizarre. Et allez on est parti, là on va pas tarder à commencer notre braquage, on sort de Saint-Denis donc voilà on est à peu près ici. J'ai pris le train à Rhodes juste ici, on a fait ça à Saint-Denis, puis là on est par là. Et donc une fois qu'on sera à peu près ici, puisque là c'est une trame que le train dans le jeu il prend jamais.
En tout cas, je ne l'ai jamais vu le prendre, ça doit être que à de très rares occasions. Et donc, il va techniquement continuer par ici. On peut le prendre, mais il faut que ce soit nous qui conduisent le train, en fait. Donc, autant vous dire que là, c'est pas trop ce que j'ai planifié de faire aujourd'hui. Par contre, j'ai merdé, j'ai pas pris d'armes sur le cheval, sur mon cheval. Donc du coup, on va partir avec un pistolet, un petit fusil à pompe. C'est pas trop grave. Ouais, je pense qu'on va commencer à se lever. Faut aller à l'avant. Bah, on est déjà à l'avant. On est déjà à l'avant. D'abord, faudra faire s'arrêter le conducteur. Hop. Et voilà. Je traduis. Qu'est-ce que tu fais? Oh, merde! Non! Ah, non! En direct. Oh, je suis... Allez, faut remonter. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, oh putain, non, vous l'avez vu de vos propres yeux. En fait, oh, c'est quoi, c'est une blague, j'ai attendu tout ce temps pour ça, je me suis fait heurter par le câble électronique. Allez, le cheval, là, putain, il est où, qu'est-ce qu'il fait? Les chevaux, c'est vraiment un enfer dans le jeu, hein. Il bouge jamais, il est là-bas, mais qu'est-ce que tu fais, allez, déplace-toi. Oh là là, c'est mort, bon, allez. On va laisser tomber ça, c'est pas grave, le plan était pas mal, j'ai attendu, ça fait une quinzaine de minutes que j'attends. Il y a d'autres choses, par exemple, regardez là, il y a un campeur, on peut aller lui rendre visite. En général, les campeurs, ils finissent rarement vivants, hein, quand je les croise. Calme le jeu. Il n'y a pas grand chose à voler par ici. Là, il y a quelque chose ici. Oula. Hop, et voilà, en deux coups c'est réglé. Bon là il est pas mort, donc écoutez, on va juste le prendre. Et voici, tiens, il y a un petit serpent qui peut le bouffer si jamais il y a... Ouh, oh, oh. Bah, et on est sur un poisson de qualité là, attendez. Barbu de rivière, bon par contre j'ai tué un peu sèchement le pauvre. Bon allez, on va le prendre, on sait jamais, ça peut toujours être utile. Alors il y a plein d'autres trucs à faire, hein, c'est pas grave, on peut laisser tomber. Si jamais on recroise un train, on y retournera, bien évidemment. Mais là, bon, on va le laisser. J'ai bien envie de faire une bataille contre une bande. Je sais où il y a des repères. Le premier est à la cave, la caverne, Beaver Hollow. Et c'est ici. Autant pour moi. Ça fait un petit peu loin. Ça fait pas si loin que ça. Il y en a d'autres pour moi. Ouais, il y en a d'autres, mais bon, flemme d'y aller. Bon, on verra en fonction, hein. On verra en fonction de ce qui tombe sur nous. Si je peux faire de l'animation dans la vidéo. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Mais putain, j'avais programmé un beau truc, là. Et je me suis fait stopper. Oh non, je suis deg. Bon, c'est pas grave, allez. C'est vrai qu'on pourrait faire de la chasse, là, parce qu'on est entré sur un territoire d'un animal légendaire. Mais la chasse, ça m'intéresse pas trop. Ah, j'étais parti sur cette fumée là-bas. Ah, d'ailleurs, il n'y a plus de fumée. Donc allez, on va se diriger vers celle-ci. Bon, après c'est le dernier, on va laisser les campeurs tranquilles un petit peu. Regarde, il y a deux croix sur la carte, je sais ce que c'est les rejetons de Murphy. Donc c'est une bande sauvage un petit peu, nomade. Allez, je me tais. Donc en gros là, ils viennent de tuer deux mecs. Et ah, allez, on le tue pas. Voilà, hop, ça c'est fait. J'aime bien parler avec les victimes à chaque fois. En plus, là-bas, je voulais le tuer, j'ai pas réussi, donc c'est tant mieux. Ah, il y en a d'autres qui se ramènent. Et je vais juste le poser près de l'autre mec. Et après, on va s'occuper des deux autres. Des trois autres, même, je crois. Il me semble qu'il y en a trois. Allez, hop, ça... Bon, j'ai l'outil assisté, hein. Faut pas m'en vouloir. Ah, ils sont morts, bah super. Et le dernier point, c'est le gars qui est pas encore mort. Bon, j'ai le poisson sur mon dos. Donc je vais pas on peut embarquer des humains sur notre dos, hein. Mais bon, j'ai déjà le poisson sur mon dos, donc je vais pas lâcher le poisson juste pour ça. Allez, hop, une petite dynamite là qui fait plaisir. Habituellement, je regroupe tous les morts, et comme ça, ça fait une... Comme ça, ça explose d'un coup. Oh, j'ai pas envie de mourir quand même. Et donc là, le pauvre. Et voilà, coup dur, non. On a entendu les cris, c'est horrible. Alors déjà, celui-là, c'est la victime, on est d'accord. Ah, il y a le ventre qui est ouvert, là. C'est chaud. Bon, par contre, les membres qui
En fait, le tronc peut rester tel quel. Le tronc reste tel quel quoi qu'il arrive. Mais il est possible d'enlever l'intégralité des membres. Donc la tête, le bras et les deux jambes. Ça, c'est sympa. Et donc là, bah regardez, on a enlevé un bras notamment qui saigne par ici. Bon, évidemment, s'il y a des jeunes, je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Même si bon, ça reste pas que du réel. Et je sais très bien que à 13 ans, tout le monde a déjà joué à GTA. Et t'es voir les prostituées au salon de striptease, donc bon, pas de problème là-dessus, de toute façon, je pense. Voilà, hop. Allez, j'aime faire souffrir les gens. Dans le jeu, c'est sympa de faire souffrir les gens, en fait, ce qu'on pourra jamais faire en vrai. C'est le principe des open world, des mondes, des jeux à monde ouvert. Allez, c'était sympathique, on va laisser les campeurs tranquilles maintenant. On va aller chercher autre part. Des fois, il y a des petits événements qui se passent sur la route sans combat, comme par exemple celui-ci, hein. Celui-ci, c'est un petit peu un événement aléatoire. Et c'est très cool, il y en a beaucoup au début du jeu, là, évidemment. Bah, j'ai quasiment tout fini le jeu. Donc ça ne se produit que très rarement. Que très très rarement. Bon, j'ai bien envie de vendre mon poisson quand même à la fin du truc. Donc on va essayer de trouver une ville. Valentine, c'est la meilleure ville. Il y a tout. Et c'est une petite ville très cocooning, comme on peut dire, sympathique. On pourrait faire du poker aussi, mais bon, c'est quand même un truc qui se fait tout seul. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça, vous voyez. Même si ça reste sympa le poker, mais bon, j'ai pas envie de prendre la tête avec ça. Il y a une autre maison où il y a carrément... Oh merde. Oh merde. Oh là. Oh. Allez, relève-toi. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. J'espère que je l'ai pas tué quand même. Parce que des fois, c'est ça qui est cool aussi. Des fois, les animaux... Enfin, pas des fois. Les animaux et les humains peuvent ne pas mourir directement. Ça veut dire, vous pouvez lui mettre un coup. Il continue de marcher. Et puis, au bout d'un moment, il meurt. Et ça, c'est cool. Parce que, par exemple, bah, je fais le comparatif à GTA, mais... sur Grand Theft Auto, le mec c'est soit il meurt direct, soit il meurt pas, tu vois. Il a pas de blessure en quelque sorte, c'est soit il est pas blessé, soit il est mort. La station de Emerald Ranch, qui est une petite ville assez sympathique, et une maison aussi pas loin, on peut aller faire un braquage, effectivement, on peut aller faire un braquage. Bon, il y a que deux personnes qui vivent à cette maison, la Guthrie Farm, donc ça sera pas, c'est pas hyper compliqué, en fait, moi je, en général je ligote les deux, comme ça m'évite de perdre de l'honneur. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a plus trop d'intérêt à en gagner. Je préfère plutôt ne pas en perdre si je peux ne pas en perdre. Et c'est toujours chiant de tuer des gens. Hein. Non, on déconne. Dans le jeu, c'est là qu'est le fun. Le meurtre. Allez, bon. Emerald Ranch, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah si, il y a un receleur à qui on peut donner des objets qu'on a récupérés. Donc là, j'ai fouillé pas mal de monde, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai sûrement récupéré quelques petits trucs. Alors, les cartes... vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes... de cartes de collection, mais je les garde parce que c'est une mission dans le jeu. Oula, bon, y a quelques petits bugs. Normalement là, bon, c'est pas une torche qui vole, enfin c'est pas une, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un bouchoir. Non, oh là là, la honte, le truc qu'il y a dans la belle et la bête là. Ah, désolé. Une bougie en tout cas, mais posée. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas là, il y a normalement une table. C'est pour ça qu'il y a un truc qui vole. C'est pas grave. On n'en veut pas au jeu. Voilà, donc regardez, vous voyez, j'ai des cartes. Mais je ne les vends pas car il y a une mission pour collectionner. Ça peut nous rapporter de l'argent au bout d'un moment. Et c'est pareil, là je suis riche, hein, 20 400. On pourrait se dire, ah, 20 400 c'est rien. Non, à l'époque c'est énorme. Le dollar de l'époque est très très haut. Sachant que la plus grosse prime de l'histoire. Alors oui, d'ailleurs, voilà, ça peut toujours être cool. La plus grosse prime de l'histoire des États-Unis, dans mes souvenirs, c'est 100 000 $. Enfin, la plus grosse prime de l'histoire, hein, de l'époque. Oui, parce que maintenant, il y a Donald Trump à 80 millions de $. Mais à l'époque, avec le dollar de l'époque, c'était 100 000 $. Le mec qui a tué Abraham Lincoln. Woods, il me semble, un nom comme ça, Woods. Hein. Et donc, au final, il a été tué par la police. Donc, personne n'a eu la prime. Et donc, voilà, le mec qui a tué Abraham Lincoln, donc le président de l'époque, qui a notamment aboli l'esclavage en 1865. Bon, ça pourrait faire étalage de connaissances, mais j'aime toujours. Ça fait toujours plaisir. Allez, là, il y a des petits trucs à vendre. 12 $. 12 $, c'est quand même, c'est une grosse somme, hein, dans le jeu. 12 $, c'est une grosse somme. On peut s'acheter pas mal de choses avec. Donc, bah, voilà, j'ai vendu. Et ici aussi, on peut receler des chariots. Donc, bah, par exemple, typiquement, ce genre de chariot, on peut aller les donner. Et donc, il peut nous les acheter 15... 25 ou 40 $. Allez, on va se diriger du coup vers Valentine, qui est la meilleure ville du jeu. Et puis après, on ira faire un petit truc, parce que là, c'était quand même assez vide, je trouve. Voilà, Valentine qui est la meilleure ville du jeu, selon moi. Il y a plein de trucs, bah, vous voyez, il y a toutes les activités possibles, littéralement. Et après, on ira tenter de se faire un petit truc. Pourquoi pas par ici. Ici, le Hanging
Dog Ranch. Tout simplement, il y a des ennemis. Après, ça reste pas si loin que ça. Allez, je pense qu'on se fera ça après. Et pourquoi pas aller pêcher dans l'Ouangila aussi. Ouais, bon, allez, comme j'ai dit, on verra en fonction du temps, hein, en fonction de ce qui se passe là. Je pourrais peut-être aller faire une pique. Piquer une. Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on allait ici. Guthrie Farm. Allez, donc il y a deux personnes qui gardent la maison. Et ben voilà, bah, la première et la deuxième qui est au bout. Bah écoutez, justement, on va pas les déranger. Ils vont voir au fur et à mesure. Et regardez, c'est vraiment réaliste, hein. Le gars, il travaille pour de vrai. Et je me suis déjà amusé à suivre des PNJ. Et franchement, c'est incroyable. Alors, j'ai déjà suivi deux types de PNJ. Donc, un ouvrier à. Un fermier à Valentine. Et franchement, il avait des activités et tout. Donc, c'était vachement sympa. Et puis, un bourgeois à Saint-Denis. Et en fait, le gars, il se balade. Il se balade pendant 12 heures, un truc comme ça. Il reste assis sur. Il reste assis sur un banc, il parle. Et il faut rien de la journée. Alors que l'ouvrier et tout, il allait au saloon et tout. C'était. Enfin, c'était cool. Ah oui, merde, on peut pas entrer par là. Ça fait un petit temps que j'ai pas joué quand même. En même temps, bah, j'étais occupé avec les. Ils sont trois. J'ai pas envie de meurtre aujourd'hui. J'ai pas envie de tuer quiconque. Voilà. Oh oh merde, j'ai pas. Ah. Allez, on va essayer de faire ça sans meurtre. Alors l'autre gars, il est où? L'autre gars, il est là. L'autre gars, ça a pas l'air trop de le. Bah, l'autre gars, il a pas de pistolet, donc il veut pas trop se mêler. Il veut pas trop se mêler à la bagarre. Alors on va se faire celui-là. Hop, dans les champs. Bah oui, dans les champs, l'autre il nous verra pas. Ah, il nous voit quand même. Oula merde. Ah, je me prends des balles. Bon, on est quand même assez très résistant dans ce jeu. C'est assez. C'est ça qui est peut-être un peu un défaut, je trouve. Merde, oh merde, le chien. Oh, le chien, je vais être obligé de le tuer. Je suis désolé. Les protecteurs. Des animaux. Et mais moi, ça me fait chier de tuer des chiens. Mais le chien, c'est soit tu peux pas ligoter le chien. Tu peux pas ligoter le chien, c'est soit tu le tues, soit tu te laisses tuer. Bon, allez, je l'ai pas tué. Je lui ai juste mis trois coups dans la mâchoire. Il va se relever, enfin je l'espère pour lui. On va prendre les deux gaillards là. Et on va les poser dans la maison. Hop-les, voilà. On va les fouiller bien évidemment, on tue pas. Mais on braque, on a dit. Bon voilà, vous avez vu, c'était pas très très dur. Il y a que deux mecs en même temps. Ah, c'est un colvert. Wow. Super, il s'est désintégré. Oh bah ça pareil. Pareil, c'est des maisons que j'ai braqué 90 000 fois ça. Et je pense que je rigole pas. J'ai pas compté, je pense, au moins une centaine de fois, hein, ce genre de maison. Dans des parties différentes, évidemment. Mais celle-ci, j'ai dû la braquer pas mal de fois, donc il y a plus grand-chose à aller chercher. Faut faire attention parce qu'ils peuvent aussi. Ils sont ligotés, mais ils peuvent s'enlever la corde. J'ai un fort manque de vocabulaire aujourd'hui. Comment ça se fait que j'oublie tous les mots? Ils peuvent se libérer, au pire. Il me semble qu'il y a un autre mot, c'est pas grave. Il y a une carabine à répétition, mais bon, c'est l'art basique du jeu, donc pas grave. Calme-toi, petit, la détente un peu. Ah, c'est méga drôle. Allez, on va lancer. Alors, on va tuer quand même. Ah, est-ce que je tue ou pas? Ah, non, on va les laisser tranquille, mais bon. Ils sont ligotés jusqu'à la fin de leur jour, à moins que quelqu'un leur vienne en aide. Puisque là, ils ont pas réussi à s'enlever la corde, hein, à se libérer en quelques minutes, donc c'est pas en toute leur vie qu'ils vont réussir. Rip les potes. Il faut déjà que je ramène le poisson aussi, il va pourrir parce que dans le. Ouais, c'est ça qui est ouf. Hein. En fait, il y a un vrai truc autour de la nature et c'est ça que j'adore. La nourriture peut pourrir, enfin les animaux et les poissons peuvent. Oula. Non, c'est bon, c'est. Oula. Ah bah oui, mais... je la sentais la chute. Ça peut pourrir et donc bah, une fois que c'est pourri, c'est invendable. La ville de Valentine, comme vous l'aurez remarqué, je prends pas beaucoup les routes, hein. J'aime beaucoup les raccourcis. Surtout que je connais le jeu comme ma poche, si je puis dire. Je pense que j'ai 90% des zones du jeu. Avec 85% puisque je vais pas beaucoup dans la montagne. Et Valentine, c'est une ville. Enfin, quand je dis très riche, c'est riche au niveau activité. Parce que c'est pas une ville très riche. Comme vous voyez, il y a des ouvriers et tout. C'est pas une ville très très riche. Mais niveau activité, il y a de quoi faire. Bon, là, il pleut, c'est dommage parce que quand il pleut pas. Bon, j'aime bien quand il pleut, ça fait un peu. Enfin, je trouve. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais là. Quand il pleut pas, ouais c'est vrai, c'est toujours, c'est drôle des bagarres quand il pleut. Ah oui bah, ça peut être méga drôle. Bon, je vais quand même vendre mon petit poisson. Regardez là le mec,
Alors on l'a pas vu juste avant, mais il a fait des trucs avant d'arriver sur cette charrette. Alors on va vendre le poisson pour combien il nous le prend. Bah ça reste peu quand même, hein. J'ai dit que la nourriture, j'ai dit qu'à l'époque c'était moins, ça reste peu. Laine de mouton, j'ai regardé, hein. Parce qu'on peut s'acheter des trucs. Ouais, on peut s'acheter des trucs effectivement, mais avec la, enfin, on peut se faire un petit déguisement, il semble, un truc comme ça, un costume. Bah par exemple, comme vous voyez, c'est de la moufette. C'est de la moufette que j'ai pour mon chapeau. Ah voilà, bah il fait beau direct. Et je vais provoquer une bagarre. Ça va être cool, je vais provoquer une bagarre. Enfin, non, je vais provoquer un meurtre. Je n'aurais pas tué la personne, mais je vais provoquer un meurtre parce que quand par exemple cette personne, si je l'énerve. Je vais pas énerver parce que salut. En plus, il a l'air très sympa, donc on va éviter de l'énerver. Quoi? Il vient d'insulter là. Ouais, mais il a pas de pistolet. Il a pas de pistolet. Faut un mec avec un pistolet comme ça. Une fois que vous l'énervez trop, il commence à tirer. Alors non, une fois que vous l'énervez trop, il va commencer à frapper. T'as juste à sortir, hop, le pistolet. Il sort son pistolet, il commence à tirer. Là, les shérifs interviennent et ils lui tirent dessus. Bah ouais. Oui, je te parle. Lui, il a un pistolet. Et il tire. Allez. Bon, faut pas se faire tuer non plus, mais... Non, merde. Putain. Je voulais juste sortir le pistolet. Allez, le shérif. C'est ça, c'est mon champion, ça. Regardez. Regardez, deux meurtres. Tandis qu'ils ont tiré, le shérif a considéré qu'ils étaient dangereux pour la ville. Et donc bah voilà, on a un meurtre ici. En plus, à la base, je voulais tuer qu'une personne. J'ai réussi à en tuer deux. D'une pierre deux coups, comme on dit. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Allez, cette ville est très cool, mais on va pas y rester plus que ça. Allez, il pleut encore. Allez, on va faire un petit tour au saloon. Allez, c'est parti, le saloon. Est-ce qu'on peut se bourrer? J'entre dans le saloon, les gens ont peur. Ils ont vu que c'est moi qui avait provoqué la. Qui avait provoqué la merde derrière. Donc je me suis rien pris, le shérif m'a pas tué. Mais ah oui, d'ailleurs j'ai une prime de 30 normalement, hein. Et ils ont l'air d'avoir oublié. Allez, faut que je fasse un peu de bonjour, j'ai perdu de l'honneur comme vous avez vu hier. Enfin tout à l'heure quand j'ai tué le chien, je crois. Est-ce que je peux. Ah yes. On va essayer de se bourrer la gueule comme je viens de le dire. Allez, une bière. Hop, d'un coup. Cul sec, on vient de se l'enfiler. Allez, je vais prendre. Les bières, c'est des trucs de faible, hein, donc on va prendre du whisky là. Oh, c'est quoi ça? Il y a déjà du whisky, mais c'est la petite quantité. Allez, un petit brandy. On va voir en fur et à mesure les premiers effets de l'ivresse qui vont apparaître. Est-ce qu'il marche de travers? Pas encore. Ah, normalement, le quatrième là, ça va commencer à être dur. Ah, voilà, on voit, regardez. Regardez, ça commence à être déjà un petit peu plus. Dur. Bon, j'ai plein je m'en fiche, hein, de tout laisser tomber de façon. Regardez, ça commence à être dur. Je crois il en faut pas mal, hein, dans les souvenirs, hein, pour pouvoir vraiment tomber sec. Regardez, livre du quartier pour là, ça devient chaud là. Est-ce qu'en première en vue première personne? Ah, c'est trop drôle en vue première personne. Mais moi je préfère quand même celle-ci, non? Je sais pas. Ah ouais, là ça devient chaud là. Allez, un petit dernier. Ah ouais, bah voilà, je viens de tomber. Je voulais prendre dans ma sacoche et je voyais pas, je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe? Allez, on est revenu. Oula, comment on s'est retrouvé là, je ne sais pas. Les escaliers. Hey, what's your problem? Oh, hell. Mais rien, le mec a su. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je fais ça? Shut up and listen. Come on. Voilà. Allez. I think we can agree that's a yes. Laisse-le partir, John. Allez, c'est parti, on va. Bonjour. Comment ça? Non, il y a des témoins, putain. Bon, allez, on se taille. Let's go, cheval. Ouh, merde. Fallait faire tomber des mecs aussi. On va partir par là. Bonjour, comment allez-vous? Je ne viens pas du tout d'agresser une personne. Et ben voilà, on est recherché. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je déserte la ville, donc... ils ne nous retrouveront pas. Ils s'y sont mis trop tard. Bon, je vous l'ai dit, on va aller ici. Hanging Dog Ranch. Donc, le ranch du chien pendu.
ou pendant comme vous voulez. Il y a un petit, il y a une petite trotte, hein, donc je vais vous passer évidemment, bah, comme je fais à chaque fois. Et après on ira pêcher. Je pense que ça peut être cool en vrai. Chasser ou pêcher, je préfère pêcher quand même. Ouais non, chasser il y a un peu de, chasser il y a un peu d'enjeu, il y a un peu d'enjeu, alors que pêcher. Ouh. Ah oui, non, c'est Thomas Downs. C'est plus du coup, c'est plus à Thomas Downs du coup, hein, c'est un peu compliqué. Pareil, faut faire l'histoire pour comprendre. J'ai pas envie de spoiler non plus. Yes, aïe. Bah, ça arrive, hein, ça arrive. Il y a plus de poisson, donc comment j'ai plus rien à ramasser. Allez, c'est parti. Bon, après, si j'avais pas coupé aussi, voilà. Il faut pas couper, les enfants. Restez droit sur la route. Alors, il est déjà quelle heure là? D'ores et déjà 6h. Voilà, il est déjà 6h, ouais, je pense 8h, on y sera. Même un peu avant 8h. Comme ça, on va tuer tous ces, toute la bande de Laramie. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la bande là-bas. Dès le matin, dès le beau matin, ça se trouve, il y en a même qui seront en train de dormir. Non, il me semble pas que. Donc, il y a des PNJ qui dorment, hein. Il y en a qui dorment pas dans le jeu, ou tout simplement qui, bah voilà, se reposent par exemple au bar, ils restent au bar tranquillement, et puis ils dorment pas, parce que c'est quand même compliqué de faire dormir un PNJ dans le jeu. Mais là, les bandes, il me semble que c'est possible qu'il y en ait qui dorment. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils se réveillent un jour. Ils se réveillent un jour quand ils entendent les coups de feu. Et j'étais pas très optimiste justement, puisqu'on va arriver bien avant 6h22. Bon, par contre il pleut, hein. Il pleut. C'est pas pour autant qu'on va pas les attaquer. Nous y sommes, le voici, le ranch du chien pendant. Alors on va prendre des armes évidemment, parce qu'avec ce qu'on a sur l'épaule là, pas terrible. Carabine à répétition effectivement. Et un petit fusil à double canon, on a déjà ça, canon scié, qui revient quasiment au même. Un arc, ça peut être pas mal. On va prendre un arc. On va prendre un arc. Et allez, il est 6h39, il fait littéralement 0 degré, donc il caille. On va essayer d'en tuer certains au fur et à mesure. Et ouais, je suis pas dans une tenue... Allez, on va changer de tenue, avec les tenues disponibles sur le cheval. Voilà, c'est un peu plus chaud. On va essayer de tuer des mecs au fur et à mesure, en espérant que les autres ne voient pas qu'on les tue. Ah putain, on m'a vu, allez c'est parti. Comme je vous l'ai dit, j'ai vision assistée, donc c'est pas si dur que ça, mais ça m'est quand même déjà arrivé de mourir. Allez hop, celui-là on se le fait. Wow, il était beau. Et là en plus pas vision assistée puisque c'est moi qui me suis déplacé tout seul. Voilà. Hop, on se cache. Allez, cache-toi. Voilà, cache-toi, cache-toi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Wow, à travers la tente. À travers la tente. Allez, on va prendre la carabine à répétition un petit peu. Ouais, on a les meilleurs. Je vais mettre les balles, allez. Où est-ce que je peux? C'est pas fini, il y en a encore. Et par ici, normalement, je peux en trouver quelques-uns. Ils sont juste là. Ils sont juste là. Ils sont derrière la portée. Oui, oui, oui. Oh, il était beau celui-là. Je vais prendre le fusil. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il en reste quelques-uns. Il reste celui-là notamment. Où est-il? Sur le cheval. Sur le cheval. Oh, il fuit. Il fuit. Il fuit. Hors de question. Reviens là, toi. Reviens là, toi. Il est où, bordel? Ah, il est là, il est là. Reviens là, toi. Bon, il y en a d'autres qui ont fui, mais celui-là, il ne fuira pas. Et voilà. Et voilà, bah, d'habitude, eux, ils sont pas si nuls que ça. Disons que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je vais faire la récolte. Comme vous l'avez vu, sur celui-là, il y avait déjà 2,25. Donc, quasiment le double de ce que j'ai récupéré, juste pour un petit poisson. Allez, on va dire qu'on était à 20 538 au départ. À combien va-t-on finir? Les mecs, ils sont dans des positions, quoi. Donc, c'est le gars que j'ai tué à travers la tente, ça. Hein. Le gars... Ah, c'est chaud, là. Bon, lui, ça va, il est allongé sur le sol. Mais il y en a, ils sont dans des positions. Et hop, le dernier qui a été le premier que j'ai tué, par ailleurs. Avec... avec l'arc. Avec les flèches de mon arc. Et on est donc à 20 554. Donc, on peut dire qu'on a augmenté à peu près de 16$. Et ça reste quand même intéressant. Et voilà, on a tué une bande. Ça fait toujours plaisir. Donc la vidéo n'est pas finie, mais pour moi, pour l'instant, c'est fini. On va tenter de se faire un petit peu, puisque va falloir que j'aille en cours là après. On va se faire un petit animal légendaire, les amis. Alors, essayez d'en trouver un. Normalement, ils ont une couronne sur la tête.
Un animal pas trop féroce, hein. Par exemple, voilà. Là il y a un poisson, mais poisson ça compte pas. Ah bah par ici. On a l'air d'être sur un cerf légendaire, donc écoutez, on va aller se le faire. En plus c'est pas loin, bah, comme je viens de vous le dire, c'est pas si loin que ça. Donc allez, on va se diriger par là-bas. On est en pleine journée, donc normalement, au niveau du repérage, ça devrait pas être trop compliqué. Et allez, donc on arrive sur son territoire. Donc pour moi, il va y avoir une coupure d'une demi-douzaine d'heures. Et pour vous, dans moins d'une seconde, on va être parti pour aller chasser ce cerf légendaire. Bah super. Bah super. Super. Non, lui, il est pas dangereux. En fait, c'est le cheval qui a peur. Ah bah voilà. On vient d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire. Où peut-il se cacher le premier? Ah bah voilà. Juste ici. Juste ici. On va prendre. Bah voilà. On est armé. Juste ici, on a un indice, les amis. Alors bah, je reviendrai. Oui, ça compte pas, puisque du coup, moi, vu que je vais quitter le jeu, tout va recommencer à zéro. Bon, allez. Je remonte sur mon cheval. On se retrouve juste après, dans quelques instants, pour moi, dans une demi-douzaine d'heures, comme je vous l'ai déjà dit. Nous sommes donc de retour ici dans le nord de West Elizabeth. Voilà, j'ai fini ma journée. On va donc aller chasser du cerf légendaire. Et puis après, on ira le revendre. On ira le revendre. Enfin, on ira l'échanger juste ici au trappeur pour pourquoi pas en confectionner une petite pièce qui peut être sympa. Un petit habit. Alors, où est-ce qu'on était déjà? Je crois que c'est un petit peu plus loin. Par ici. Donc, habituellement, je chasse quasiment jamais. À part quand, par exemple, j'ai des dettes à financer ou par exemple, j'ai 14 998 $ et que je veux aller à. Et que je veux atteindre les. Et que je veux atteindre les 15 000. Ça peut m'arriver. C'est plus par ici, apparemment. Alors, ouais, du coup, il m'a fait réapparaître un peu plus loin. Oh, je viens de tomber sur un loup. Je viens de tomber sur un loup. Oh. Ok, c'est bon. Ouf, 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 ouf. J'ai eu peur. 2 étoiles en plus, j'ai réussi à pas trop l'abîmer. Bon, par contre, j'arrive toujours pas à retrouver l'indice. C'est chiant parce que je suis tombé dessus du premier coup tout à l'heure. Et là, je galère à trouver. Et hop, voilà. Donc, bon, la peau, enfin, le corps, on va le laisser de côté. Puisque de toute façon, on est censé embarquer une biche sur nos épaules. Une gazelle, un cerf, pardon. Et pas un loup. Oula. Hop. Et allez, du coup, où il est? Bon, je vais repasser sur mon cheval parce que je ne parviens pas à trouver. Normalement, ça met, bah, comme vous avez pu le constater, vous venez de pénétrer sur un territoire d'animal légendaire. Et là, pour l'instant, je vais reprendre le chemin du coup que j'avais pris tout à l'heure. Normalement, ça s'affiche en or. Et je vois rien en or. Ah, je crois savoir. L'animal légendaire n'est pas toujours là. Super. L'animal légendaire est pas toujours là. Bah, du coup, on va aller. Je vais aller roupiller un petit peu. Il est quelle heure là? 13h38. Bah, je vais aller roupiller un petit peu. Écoutez. Et comme ça, on se réveillera dès le matin pour aller chasser le cerf. Je crois qu'on ne trouvera jamais ce foutu cerf. Mais pas grave, il y a plein d'autres animaux légendaires sur cette carte. Par exemple, on a ici le mouflon légendaire. Bah, allez, go chasser du mouflon légendaire. À Strawberry, on va aller jusqu'à Riggs Station, donc une station de train qui va nous emmener à Wallace Station. Donc là, pour l'instant, on a encore cette petite pièce de loup vendre. Oula, bah, j'ai fait tomber un lapin, super. Alors, fourreur de loup, hop, juste ici, gigot, on va vendre, et puis là, hop, on se fait un petit peu d'argent, et puis on est reparti. On est sur le chemin, et j'entends des tirs. Ah oui, c'est le mec qui nous fait une petite compétition à chaque fois. Allez, on va aller le voir. On va aller le voir. Ça nous fait un petit peu d'animation. En plus, on n'est pas loin du tout de où on est censé aller. Allez, avec lui là, regardez. Il est juste ici. Puisque je l'ai déjà rencontré et je l'ai battu. Donc voilà un peu le contexte. Allez, on y va. Il y a moyen de se faire pas mal d'argent hein, là-dessus. Ok, let's do this. Ok. The one who shoots the most bottles wins. Just throw your gun and aim when you're ready. All right? Shoot! Come on! Et voilà, 4-3. After all that practice, not enough, I guess. That was just a one-off, man, a fluke. Let's go again. With real money. Là, ça commence à des belles proportions. Si on perd, on lui donne $30.
Et si on gagne, on gagne 30 dollars de sa part. Just like before, mi amigo. You shoot four birds out of the sky before me, you win. Stand near me, and as soon as they come out, it's anyone's shot. Be patient. Ah, there they go. Shoot. Bon là par contre, si t'as pas la vision assistée, c'est quasi impossible. Ah, ok, il en a fait zéro. Allez. Voilà. C'est ça qu'on veut. Pas de fric. Voilà, allez, on va prendre l'argent. Il nous a pas trompé. Il y a quelque chose de drôle à faire là, non? Rip monsieur. Oula, ouf, fait mal. Bon, j'aurais peut-être pas le tuer, mais écoutez, on est quand même dans un jeu de cow-boy. Si on peut plus tuer personne, c'est pas drôle. Voilà, on fout bien évidemment, 2,67. Et il a gardé de l'argent en plus, hein. Ça veut dire que le gars il avait 32,67 sur lui. Et il nous a donné... Ah ouais, le gars quand même... Le gars quand même il donne les 9 dixièmes de tout ce qu'il a quasiment. Bon voilà, petit easter egg qui a aucun intérêt, le gorille dans la cage. J'aimerais bien récupérer les corneilles quand même sur lesquelles on a tiré. Et voilà, j'en ai pris 5, il en reste une dernière. Mais on peut en prendre plus de 5 unités pour chaque objet dans la sacoche. Donc alors, on est parti. Où sont les mouflons? On doit pas être très très loin. Voilà, ils sont juste ici. Le mouflon légendaire. Et bah allez, on est parti. Ça devrait être réglé dans quelques instants normalement ce trajet. Regardez-moi ce beau paysage les amis quand même. C'est pas mal. C'est pas... Oula, attention. Voilà, mais on n'est pas là pour admirer le paysage aujourd'hui. On est là pour les choses sérieuses. On va chasser du mouflon. Mais non, oh, c'est pas vrai. Je me prends des arbres à chaque fois. Bon, en même temps, si je fais le terrain, ça arriverait pas. Mais... Moi je suis un gars, j'adore le risque. J'adore le risque, donc je prends pas le terrain. Je prends pas le chemin, pardon. Non. Vous avez vu ce qui s'est affiché en haut? Vous avez vu ce qui s'est affiché en haut? Mais c'est pas vrai, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance quoi. J'ai le droit de chasser de l'animal un petit peu. Oh là 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 là. Bah à mon avis c'est la même chose qui s'est arrivée tout à l'heure. Qui est arrivé tout à l'heure pour le cerf légendaire. Mais c'est juste que j'ai pas fait attention. Oh putain, j'ai pas de chance. Oh non, là c'est vraiment pas cool. Là c'est pas cool. Bon, est-ce qu'il y a un autre animal légendaire? Bon après, si ça marche pas encore, si ça nous fait la même, si ça nous fait la même chose, j'abandonnerai. Il me semble que j'ai attaqué un seul animal légendaire. Bison. Et bison c'est une grosse bête. J'aime pas faire mal aux grosses bêtes. Bon, loup légendaire. Bon allez, c'est pas si loin. Allez, on va y aller au loup légendaire. Et si ça marche pas, bah nique. Si ça marche pas, nique. Bon, on laissera tomber. Allez, c'est parti. Le chemin, il est pas si long que ça en plus. Il y a beaucoup d'animaux légendaires hein, dans les Grizzlies, qui est la zone montagneuse et très désertique. Désertique, pas au sens qu'il y a du sable, parce que sinon, ça c'est New Austin. Mais quand je dis désertique, c'est parce que il y a personne. Littéralement, quasiment aucune habitation, pardon. Il y a quelques petites maisons par là, mais c'est pas ce qu'on pourrait considérer une ville, bah, comme Valentine par exemple, ou comme Saint-Denis, là où on était au tout début de la vidéo. Il y a le seul réel endroit habité, c'est Wapiti Indian Reservation. Bah, voilà des campeurs, ça faisait longtemps. Allez, le silence. Ah bah merde, ils m'ont vu. Alors on va y aller au couteau. On va y aller au couteau. Le panache. Voilà, le panache. Dans les jambes. Comme ça, on le tue pas direct. Oh. Voilà. Excuse-moi, le mec, il s'est pris deux coups, il est toujours pas mort. Ouf, voilà. Là, oui, je comprends qu'il soit mort. Est-ce qu'on peut récupérer les couteaux, moi, parce que ça me gênerait. Ça ferait chier que... J'ai quand même tué deux pauvres innocents, hein. C'est horrible quand on y pense. Pas grand-chose. Après, en plus, on a récupéré 22 centimes. Merde, il y a un mec qui a vu. Vous entendez cette musique? Il y a un mec qui a vu. Il y a un mec qui a vu. Où est-il? Il n'y a pas affiché le petit témoin quand il y a un témoin. Donc ça a l'air d'être bon. Le volume de la musique baisse. Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, on est reparti. Regardez, c'est magnifique ce jeu, c'est ça qu'on veut. Oula! Faut pas que je le rentre dedans.
C'est magnifique ce jeu, vous allez sur la pointe là. Ça c'est beau, ça c'est beau. Allez, je vais essayer d'aller sur celle-ci. Bon, si je meurs, m'en voulez pas, je suis toujours pas mort depuis le début de la vidéo. Bon, et là, normalement, quand on tombe d'ici, on meurt pas. Bon, voilà, j'ai quasiment pas pris de dégâts de chute. Il y a pas beaucoup de trains qui passent par ici. Oh non. Vous venez de constater ce qui vient de se passer. C'était étrange. Ouais, des petits cailloux là. Alors, est-ce que je peux réussir à remonter? Bon, là, allez. Voilà. Il m'a saoulé. Est-ce qu'il y a un moyen de monter en haut? Bon, au pire, on n'est pas là pour ça. Allez, vous le ferez à la maison. Faites attention quand même. À reproduire à la maison, mais sans abuser non plus. Comment je remonte par là, par contre? Super, je me suis embarqué dans des trucs, moi encore. Yes, la mort. Oh, il est pas mort. Mais c'est magnifique. Wow, par contre, il y a une belle tache de sang sur le sol. Est-ce que ça remonte par ici? Est-ce que ça passe? Ouais, mais y a rien après. Ah bah là par contre c'est inévitable. Je suis tombé de la falaise, ce n'est pas grave. On va repartir sur le dos de notre cheval. Alors, où sommes-nous? Le cheval est là. Merde, j'ai perdu ma laine. Oh non, fallait pas que je... Bon, c'est pas grave. Allez, ça fait partie du jeu. Mais comment veux-tu que je remonte par ici? Eh ben, si, mais... Attends, comment j'étais censé rejoindre le cheval? Je comprends, il me semblait que j'avais vu un passage. Bon, là, on va être obligé de descendre. Encore une perte de temps, tout ça pour un... putain de cerf qui a pas voulu se montrer. Eh ben, yes, allez, c'est parti. Une autre chute, comme si on n'en avait pas fait assez. Une belle tache de sang sur le sol, c'est parti. Bon, moi, il y a de l'animation, comme je dis. Bon, j'aurais préféré directement trouver le cerf et qu'on n'en parle plus, mais bon. Imaginez, là, j'arrive après avoir fait tout ça pour aller chasser un loup légendaire. Et oh! Et le cheval est quasiment mort en plus. Non, c'est bon, il se relève. Et bon, regardez la barre. Regardez la jauge à gauche. Allez, on se relève. Parfait. Bon, je leur demande peut-être beaucoup, mais voilà, c'est un cheval de compétition. Donc, voilà, on va te remettre de. Mais non, je me le suis mis à moi-même, mais quel con. Alors, on va te remettre d'aplomb, petit. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va te donner un petit peu à manger. Tout ce qu'il le mérite. Je pense, après tout ce qu'il a subi, il le mérite. Allez, on y est. Kotora Springs. Regardez cette belle eau douce. Par contre, si on tombe ici, en fait, on meurt. Donc, je préfère pas m'aventurer. C'est pareil, là, hein, les geysers. Vous venez... Ah, voilà! Voilà, enfin! Ça y est, on va pouvoir, chasser du loup légendaire. Faut pas le tuer trop fort par contre. Alors écoutez, on va respecter progression. Encyclopédie. Le loup, animaux. Alors wolf, donc c'est tout à la fin puisque là c'est dans l'ordre. Mais en anglais. Alors il y a deux types de loups, loup gris, loup des bois. De toute façon je pense que c'est à peu près la même chose. Alors on peut les tuer. Une arme à longue portée comme un fusil ou un arc. Alors pour les loups des bois et pour les loups gris. Une arme à longue portée comme un fusil ou un arc. Mais écoutez, on va peut-être on va y aller pour éviter de trop abîmer la peau. On va y aller au fusil ou à l'arc. Et le premier trappeur, il est par ici. Ah ouais, ça fait une petite trotte quand même. Bon, allez, ça passe. On a vu pire. Allez, c'est parti. On va prendre un arc, un fusil Springfield et un arc. Et on est parti pour la chasse. Faut d'abord trouver les indices. Bon, il y a un mouflon juste devant nous, hein, mais c'est pas ça qu'on recherche. Nous, on recherche vraiment le loup légendaire, bah sinon je me serais pas déplacé autant juste pour ça. Mon dieu, je le découvre. Je croyais que c'était que sur PC. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, le mode photo. En fait, on peut faire pause. Oh, c'est excellent. Bah, je savais pas que c'était sur PS4. Oh yes. Alors bon, là je suis pas dans une très bonne position. Bon, on est quand même là pour chercher un loup, je vous rappelle. Et j'arrive toujours pas à trouver les indices, quoi. C'est un truc de fou. Je suis peut-être un peu trop loin puisque le loup sur la carte il est pas par ici, mais allez, enfin je viens de trouver. Il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Excréments. Sympa. J'ai cherché des heures pour des excréments. Allez, c'est pas grave. On a une piste. Le loup est dans les parages. Oh, juste ici. On a... c'est un cadavre humain, ça, il y a une jambe, non? Ah, juste ici aussi, il y a quelque chose apparemment. Fourrure. Fourrure de... Ah oui, c'est subtil, hein, pour le voir à main.
pour le voir à l'œil nu. Heureusement qu'il y a des indices. Allez, à nouveau, un nouvel indice juste ici. Pas non plus trop faire de bruit, puisque faut pas se rappeler qu'on chasse quand même un loup. Que donc c'est lui ou nous. C'est nous ou lui. Oh, oh, il est là. Oh, il est beau. Il est beau. Bah attendez, écoutez, je vais l'utiliser le mode photo justement. Alors, là, c'est la première fois que je l'utilise, donc un peu de calme. Ah ouais, non, on peut pas dézoomer plus, j'ai l'impression. Ah, bah voilà, caméra libre, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est magnifique. Regardez, il y a une autre carcasse juste ici. Et le loup, ah, oh, c'est un peu... c'est compliqué. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, je peux pas aller plus loin, d'accord. Il y a une limite. Ah, je suis trop loin, d'accord. En tout cas, il est juste ici. On l'a vu. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Ah. Non, ouf. Oh là là. Je viens de tuer le loup. Alors, il nous dit, il nous indique c'est lequel le trappeur le plus proche. Ouais, c'est celui-là. Hein. Aïe, 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 ça va être long. Bah, écoutez, on se retrouve directement à la fin du... À la fin du trajet, en tout cas, ce fut un combat des plus intéressants. Je pense que le dernier coup, là, il mettait au sol. On a réussi à résister, c'est magnifique. Allez, loup légendaire. Il est beau, hein, le poil roux à certains endroits. Et il est quelle heure? Donc, il est 16h32. Allez, je vais essayer d'arriver avant la nuit. Comme ça, ça serait bien de vendre, enfin de se faire un truc avec sa fourrure. Et en plus de ça, tenter de se faire un truc, de se faire un petit billet avec sa peau. Enfin sa peau, avec son corps, son cadavre. Ouais, j'avais la flemme d'aller jusque là-bas puis de revenir à un endroit pour pouvoir vendre la peau avant qu'elle pourrisse. Hein, parce que la fourrure pourrit pas, mais le corps en lui-même pourrit. Donc on va directement aller à Valentine. On va vendre d'abord la peau, puis ensuite on va aller au trappeur qui se situe à Saint-Denis. Donc je prendrai le train, on ira directement à Saint-Denis pour pouvoir échanger la peau et en faire un costume. Et voilà, je viens de le dépecer. En fait, j'ai pas l'impression qu'il pourrit. Ouais, vu que c'est légendaire, ils font pas pourrir, ok. Je vais pouvoir fabriquer une amulette de cœur de loup. Je m'en bats un peu les steaks, hein. Je m'en bats un peu les steaks de ton amulette. Alors... 43. Ah. Bah à qui je peux vendre ça alors? Bon, on va les vendre au trappeur je crois. Bon tant pis, j'ai fait le détour pour rien mais c'est pas grave. Je crois il y a que le trappeur. 43$, c'est pas mal du tout hein. On va aller du coup pourquoi il accepte pas? Oh là 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 là. Il a pas assez de fric. Bah écoutez, on va aller directement à Saint-Denis. J'espère par contre qu'on va pas arriver la nuit parce que là le soleil se couche, j'ai bien l'impression. Ouais, 18h36. J'espère juste que le train va pas nous faire arriver la nuit. Oh, c'est tout ça. Oh, c'est sale. La peau est sale. Hein. On va avoir un truc tout rouge. On va avoir un habit, un vêtement rouge. C'est pas grave, ce sera du loup. J'ai pété la fenêtre, excellent. Allez, laisse-moi passer. Laisse-moi passer le cheval, putain. Oh, oh, pas un billet de train pour Saint-Denis. Un trappeur sur place, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, 10€. 10$, pardon, ça. Ça fait mal au cul, mais bon. Au revoir charmante demoiselle, nous te quittons, allez on descend du train, j'espère que le cheval a gardé, voilà il a gardé son attache, c'est parfait. Alors bon, on va juste aller checker, ça se trouve c'est juste le commerçant de Valentine qui en veut pas, ça se trouve le boucher de Saint-Denis en veut bien, allez passe. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le moment, ouais. C'est pas le moment de faire tomber quelqu'un, je passe en toute tranquillité, ouais, parce que après si on fait tomber quelqu'un... On va être poursuivi et j'ai pas trop envie de ça maintenant. Allez, bon, c'est lent. Allez, monsieur, je ne suis pas raciste. Laissez-moi juste passer. Hop, 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 hop. Oh, le zigzag. Oh, le zigzag. Bon, y a un policier en plus là. Allez, laisse-moi passer. On n'a pas de prime. Non, on n'a pas de prime. On n'a pas de prime dans les moines. Allez, voilà, là. Voilà, c'est ça qu'on veut. La zone. Le terrain est libre, bon, par contre c'est de l'autre côté, va falloir contourner le train. J'avais dit qu'on allait au boucher de Saint-Denis, mais en vrai je sais très bien que ça va pas marcher, surtout il est quelle heure?
Il est 20h31, j'ai pas envie de perdre trop de temps, on va y aller directement. On y va très lentement parce que normalement, c'est peu conseillé de... Ah bah voilà. Il nous a fait descendre automatiquement du cheval puisqu'on n'est pas censé par ici à passer par ici à cheval. Et j'espère qu'il n'y aura pas de témoins. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Alors le trappeur, est-ce qu'il veut bien nous acheter ça? Non. Non. Les amis, c'est pas vrai. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance, un témoin. Du coup, bah le trappeur, il veut pas parler avec nous. Allez, je vais juste reposer la viande sur le cheval. J'attends que la police ne me recherche pas. Je vais me cacher. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas de chance. Putain, j'ai pas de chance. Oh là là. Et là, manquerait plus que je me fasse buter par le train. Voilà, on est hors de la zone de recherche. Et bon, j'ai juste bousculé quelqu'un sans faire exprès, et franchement. Voilà, c'est fini, on va donc pouvoir aller rechercher notre viande. Bon, en tout cas, tout ça, ça a été très loin, hein, entre le temps où on était là pour chasser du cerf. Au final, on a commencé à Saint-Denis, on finira à Saint-Denis cette vidéo. Et ça, je trouve ça magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, bon, là, on va éviter de heurter personne, parce qu'apparemment, les gens ici sont sensibles. Et allez, est-ce qu'ils nous achètent ça? La viande bien fraîche. Voilà, 23. Ouais, c'est pas grave. L'autre il a acheté pour 43, c'est pas grave. Allez, cadavre de corneille, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure. Je vous l'avais montré, viande de gros gibier. On va aller chercher maintenant la peau. On va aller chercher cette peau. Ah, ça veut pas la prendre, mais je crois qu'en fait il l'a déjà pris en compte. Donc on va aller directement chercher. Hop, wow, le zigzag. On va aller directement chercher le trappeur. Il peut nous confectionner des vêtements si j'ai bien compris. Donc on va aller dans acheter, ensemble de vêtements. Et normalement avec le loup. Alors le loup. J'ai aucune idée de c'est lequel. Ça c'est un cantu. Le cerf légendaire. On était sans... Ah oui, d'accord. Okay. Attends, on va aller dans vêtements du coup. Alors, tout ce qu'on peut acheter avec le loup. Ok, c'était pour les chapeaux, j'ai eu peur. Mais je m'en fous des jambières. Non, mais c'est quoi cette déception là? Non, mais j'ai tué. Je vais m'énerver là. Je crois qu'en fait j'ai vendu la peau de loup. Mais je crois que c'est pas ça qu'il fallait faire. Bah ouais, la fourrure de loup, on en a pas. Mais je peux pas... Mais j'en ai une sur mon... C'est une blague. Bon, j'ai gagné 23$, super. J'ai fait tout ce bordel pour gagner 23$ quand même. Je peux même pas rembourser ma prime. Bon, j'ai 20 000, mais... Techniquement, je peux même pas rembourser toute ma prime avec ça. Et pourquoi je peux pas prendre? Oh là là, vas-y, je vais péter un câble. Oh là 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 là. C'est pas normal. C'est pas normal de voir ce genre de choses dans 2020. Il est quelle heure, là? Minuit 41. Et bah voilà, il vient de fermer. Il vient de fermer, bah bien évidemment. Sale bâtard. Et bah oui, c'est pas normal de voir ça en 2020. Allez. Enfin 2020, 1907 autant pour moi. Allez, on se taille. Il m'a saoulé. Allez, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Cette vidéo a été sympa même si elle a été mouvementée. On se retrouve bientôt, allez, ciao. Bon, évidemment, en temps normal j'aurais pas fait ça. Mais là pour le spectacle, pour la vidéo. Bon bah voilà, on est déjà échappé, regardez, je suis déjà sorti de la zone. De nuit c'est plus facile, hein. Parce que, oula, attention, il y en a un qui arrive. De nuit c'est plus facile. J'ai tué un pauvre marchand, mais bon voilà, faut pas abuser à un moment, faut pas abuser. Oula. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'ils font, eux? J'ai une arme, les potes. J'ai une arme. Allez, on est où? C'est scandaleux de voir ça, allez. En tout cas, c'en est fini pour cette course-poursuite. Vous pouvez officiellement lâcher un pouce bleu et vous abonner. Et partager. Et commenter. Et me dire si vous voulez, pourquoi pas, revoir peut-être ce genre de contenu à l'avenir. En tout cas, pour moi, c'était très sympathique de faire une vidéo comme ça. J'essaye de faire un montage un petit peu dynamique. J'espère qu'il va vous plaire aussi, puisque ça me prend pas mal de temps, ça aussi. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt les amis, et si vous voulez un autre épisode sur Red Dead Redemption, vous me le signalez. Red Dead Redemption, vous me le signalez. Et donc on se retrouve dimanche pour le début de la saison 2 de la carrière avec avec la nouvelle équipe que vous découvrirez dimanche. Allez, à plus. Bye.